Bonjour, c'est Madame Kamara Fendor. Alors, j'ai décidé de faire un gâteau au riz. Voilà, j'ai fait cuire au riz. Je veux dire, j'ai fait cuire au riz, ça c'est d'hier. Il y a le reste et j'ai pris 300 grammes de riz. Plus, j'ai rajouté de crème fraîche 4 cuillères. Plus, un yaourt. Plus, le jus de citron. Et on va dire, c'est. Il y avait du sucre au citron pressé. Plus le jus de citron qui est déjà du sucré là, c'est voilà, je dirais un sirop, je dirais 2 cuillères à soupe. Voilà. Et plus une cuillère à café de cannelle en poudre. Et 3 œufs que je vais rajouter. Plus sucre, j'ai pris 250 grammes de sucre que je vais rajouter aussi. Et levure chimique levure chimique et puis un sachet de vanille. Voilà. Et après, je vais rajouter aussi des amandes caramélisées dedans que je vais écraser, que je vais rajouter dedans avec des framboises secs. Aussi, que je vais les raser, je vais les mettre dedans tous. Voilà. Là, mon fils qui est en train de les mettre dedans, les a gratté. Crasé avec les, comme je viens de dire, les amandes caramélisées, doucement, plus les framboises confits qui sont secs aussi, que je les ai ajoutées. Je vais mélanger ensemble. Voilà, c'est bon. Encore un tout fini, tout c'est bon. Maintenant, c'est bon. Maintenant, tu vas m'aider à casser les œufs dedans aussi. D'accord. On va mélanger tout. Attention. Attention, c'est dessus qu'il faut le casser. Pas à côté, ok? Sinon, ça va tomber. Allez, on mélange tout. J'ai pris l'autre. Je vais rajouter de mettre le gâteau sur le moule, sur la plaque à moule. Après, on va quand ça cuit et on va là c'est celle de la crème de chouquette, le reste de chouquette que j'avais préparé. Allez, je l'ai mis dans le comme il est resté, je l'ai mis dans un petit plat et je l'ai mis dans le congélateur. Et là c'est le glaçage que je vais rajouter dessus. Voilà. Au chocolat, de petits chocolats, et mélanger avec la crème que j'ai mis un petit peu, crème fraîche, que je viens normand plutôt, crème fraîche normand que j'ai rajouté dedans, plus le beurre, j'ai mis une grande cuillère à soupe de beurre dedans, voilà. Je vais rajouter ça tout à l'heure. Glaçage pour le temps.
comme ça, je vais garder jusqu'à demain matin et je pourrais faire l'autre côté de la séance, le deuxième. Dessus. Voilà pour la crème que j'ai étalée dessus. Bon, je vais la garder jusqu'à demain. Après, je mettrai le glaçage dessus. Essayer de l'enlever. Voilà. Et là, je remue le sucre. J'ai mis du sucre glace dessus pour essayer de. Parce que j'avais prévu de le retourner. Mais comme j'avais du mal pour mettre la glaçage. Donc, je me suis trompée, j'ai mis un premier la crème dessus comme ça. J'espère que ça va marcher et je pourrais mettre la glaçage dessus, derrière. Voilà. Comme je viens de faire la décoration, j'ai fait le glaçage dessus et j'ai rajouté des noix de coco en carré, sur le temps. Voilà. Plus les trucs brillants, comment ça s'appelle déjà. Qui sont en sucre, voilà. J'espère que ça va vous plaire et vous allez refaire. Voilà. Voilà. Voilà le gâteau, j'ai coupé. Qu'est-ce que ça donne? C'est très très malin, hein. C'était et puis c'est délicieux. Voilà.